c'est moi encore un peu à côté là. Ça veut dire que moi, il faut que je suis à un an, il y aura personne. Mais essaye de voir, hein. Si je n'ai pas de trucs ancestral, comment le truc de ma vie. Peut-être les gens sont morts beaucoup là-bas. On n'a pas fait de sacrifice. Bon. Effectivement. Pour moi, je ne regarde pas trop le. Non, je pense au niveau du sacrifice. D'abord, il faut un contrôle. Il faut un contrôle. Il faut un contrôle. Comment on ne peut pas. Comment on ne peut pas aussi négliger un point, regarder aussi tous ces points-là. La ministre. Sacrifice. Il faut que le contrôle soit testé. Pour Mabou, il a fait comprendre qu'il y a des parents qui sont là. Et qui réclament beaucoup de choses. Oui. Voilà où le sacrifice intervient. Oui, notre ouais, Nous, c'est là. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui. Oui, oui. C'est pas problème de route. Ça, c'est important. Oui, c'est, il n'y a pas de problème. Ça, c'est important. C'est que. Oui, les babes. Comme oui, les babes. Ok. Oui, les babes. Ça nous tue, s'il y a beaucoup de morts, chaque fois nous n'arrivons pas à dormir. On dit que l'accident, nous on coupe le sommet, on court, on part à la falaise, voit les morts, et ce n'est pas bien comme ça. Il faut que les chauffeurs là cherchent aussi à ralentir la manière de voyager. Oui, je ne sais pas, où c'est le tournant, où c'est le virage là qui crée tous ces accidents, je ne sais pas, merci. Bon, de notre constat, cette falaise existe depuis pratiquement 2008. Nous avons eu des hommes entièrement perdu leur vie. De notre constat, on voit, il faut étudier la grandeur de route, l'entretien des véhicules. Et l'exploitant du conducteur, le conducteur doit tenir une marge de repos. Nos patrons exploitent mal les conducteurs, c'est-à-dire 5 voyages successifs, c'est largement beaucoup. D'après moi, après un voyage, un chauffeur doit se reposer.